Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes heureux d'être rassemblés ce soir pour chanter la gloire de Dieu qui nous délivre et qui nous fait revivre. Nous sommes heureux de concélébrer cette Eucharistie avec Monseigneur de Dinchin et les prêtres qui ont été ordonnés dans cette cathédrale il y a 25 ans, et avec Mgr Ouédraogo, archevêque de Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, que nous accueillons fraternellement. Le Seigneur nous rassemble, il constitue avec nous le corps du Christ ressuscité, et il nous invite à accueillir sa parole et le pain de vie qu'il veut nous donner. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Christ.
ad exterram patris miserere nobis. Gloria tus solus sanctus, tus solus dominus, tus solus altissimus Jesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Deitatris. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous vivre à tout moment dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Zacharie. Parole du Seigneur. En ce jour-là, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit qui fera naître en eux bonté et supplication. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Ils feront une lamentation sur lui, comme sur un fils unique. Ils pleureront sur lui amèrement, comme sur un premier-né. En ce jour-là, il y aura une grande lamentation dans Jérusalem. En ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David et les habitants de Jérusalem. Elle les lavera de leurs péchés et de leurs souillures. Parole du Seigneur. C'est ta gloire, ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir. Lève les mains en invoquant ton nom, comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oh.
j'un cri de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, c'est vous qui êtes la descendance d'Abraham. Et l'héritage que Dieu lui a promis, c'est à vous qu'il revient. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Pour la foule, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur dit, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prit la parole et répondit, le Messie de Dieu. Et Jésus leur défendit vivement de le révéler à personne en expliquant, il faut que le Fils de l'homme
souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que, le troisième jour, il ressuscite. Jésus disait à la foule, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce passage de l'évangile de Saint-Luc que nous venons d'entendre nous est signalé par l'évangéliste lui-même comme un moment décisif. Il commence en nous disant que Jésus priait à l'écart. Or, nous avons vu dans l'évangile de Saint-Luc que ces moments où Jésus se retire à l'écart pour prier sont des moments particulièrement importants dans le déroulement de sa mission. Et s'il fallait encore ajouter, il est à l'écart avec ses disciples et il va leur apprendre quelque chose d'important. En parcourant l'évangile de Saint-Luc ces dimanches passés, nous avons été mis en présence de signes comme la résurrection du fils de la veuve de Naïm, comme le pardon de la pécheresse chez Simon le pharisien. Et dans l'évangile de Saint-Luc, juste avant le passage que nous venons d'entendre, Jésus a multiplié les pains pour la foule. Ces signes de la résurrection des morts, du pardon des péchés, de la multiplication des pains, étaient des signes très significatifs pour les témoins qui suivaient le Christ. Et on comprend que ces signes ont suscité l'étonnement, l'émerveillement, l'enthousiasme, et que la notoriété de Jésus s'est répandue tout à travers la Galilée à mesure que ces signes étaient posés. On parlait beaucoup de lui, et même l'Évangile nous dit, à l'instant même où Jésus se retire pour prier, que Hérode lui-même s'inquiétait de savoir qui il pouvait bien être. Et il s'inquiétait de voir cette popularité grandir et risquer de faire de l'ombre à son pouvoir. Aussi, quand l'évangile de Luc nous rapporte la question de Jésus à ses disciples, nous devons l'entendre dans ce contexte d'une notoriété, d'une popularité, d'un attrait que Jésus exerce sur les foules. Autour de vous, que dit-on de moi ? Et les réponses qu'on lui fait correspondent tout à fait aux signes qui nous ont été rapportés dans l'Évangile. Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, il est Élie, pour d'autres encore, un grand prophète. C'est qu'en effet, nous l'avons encore en mémoire, la résurrection du fils de la veuve de Naïm rappelait la résurrection opérée par Élie. C'est qu'en effet, le pardon des péchés est un signe prophétique de Dieu.
La multiplication des pains rappelle la manne que Dieu donnait à son peuple au désert. Donc à travers tous ces événements, les spectateurs comprennent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est un prophète. Et ils le disent. Mais la question suivante va changer le registre. Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? La manière dont Pierre répond à cette question, en l'appelant le Messie de Dieu, ou le celui que Dieu, à qui Dieu a donné l'onction, le Christ, celui qui a été marqué par l'onction de l'Esprit, nous entraîne dans une autre perspective que celle d'un simple prophète. Le Messie n'est pas simplement un prophète. Il est celui que Dieu a choisi pour sauver son peuple et pour lui apporter la délivrance. Aussi, cette profession de foi de Pierre, même si elle s'inscrit dans la continuité des déclarations des gens qu'il a entendu autour de lui désigner Jésus comme un prophète, dit plus. Il ne dit pas seulement que Jésus est un prophète et les signes qu'il a vus lui aussi et parmi tant d'autres révèlent que Jésus est venu pour le salut du peuple d'Israël. Il est celui que Dieu a choisi pour sauver son peuple. Et voilà le tournant décisif du récit évangélique, car, nous le savons, cette figure du Messie qui vient pour sauver son peuple entraîne dans l'imagination de tous l'idée d'un Messie triomphant, d'un Messie tout-puissant, qui viendra bousculer le pouvoir d'Hérode, mais qui viendra surtout délivrer Israël de l'occupation romaine, bref, qui rendra à Jérusalem sa place de cité de Dieu. Et devant cet imaginaire du Messie triomphant, Jésus présente la figure du Fils de l'homme, qui est le Messie, il ne le nie pas, mais d'un Fils de l'homme qui sera arrêté, condamné, mis à mort avant de ressusciter. Ça veut dire que le salut qu'il vient opérer parmi les hommes n'est pas celui auquel tout le monde pense. Ça n'est pas un salut de puissance, ça n'est pas un salut qui fait sauter les difficultés, ça n'est pas un salut qui débarrasse des problèmes. C'est un salut qui s'accomplit dans le don de sa vie, dans l'offrande qu'il fait de lui-même, et à travers cette offrande, dans la communion d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. C'est pourquoi, alors qu'il vient quelques jours avant d'envoyer ses apôtres en mission, il met devant leurs yeux non pas la figure d'une mission triomphante qui s'imposerait à tous ceux qui les entourent, qui leur donnerait la puissance de faire taire les contradictions, d'arrêter les actions mauvaises, de supprimer ce qui peut être nuisible à l'homme, mais il leur montre la figure d'un Messie qui accomplit sa mission en donnant sa vie pour les autres. Le Messie, selon le Christ, n'est pas une puissance de ce monde. C'est une puissance de l'amour
qui se manifeste en acceptant de subir la puissance des hommes. Celui qui veut marcher à sa suite, qui veut devenir son disciple et qui veut participer à sa mission, doit accepter de prendre chaque jour sa croix pour le suivre. Et c'est bien parce qu'il sait que ni ses disciples, ni ceux qui les entourent ne sont prêts à comprendre ce que signifie ce retournement de perspective que Jésus leur demande de ne rien en dire avant la résurrection, car c'est seulement par la résurrection qu'il manifestera la puissance de son sacrifice. Frères et sœurs, à mesure que nous avançons dans cette méditation de l'Évangile de Saint Luc, nous sommes invités à reconnaître la figure du Messie humilié, du Messie exécuté, pour comprendre le sens du don qu'il fait de sa vie quand Dieu le ressuscite d'entre les morts. Amen. Credo in unum Deum, Pater omnipotens, factor in cæli et terra, filium et invisibilium, et in unum Dominum Thank you.
Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem qui ex Patre Filio quae procedit qui cum Patre et Filio simul Frères et sœurs bien-aimés, vous avez entendu par la presse la catastrophe qui a frappé les sanctuaires de Lourdes avec ces inondations invraisemblables. La quête aujourd'hui va être faite en lien avec ces sanctuaires qui, vous le savez, sont chers à nos cœurs. Et donc, quelquefois, on me demande un exemple pour être solidaire encore plus qu'on ne pourrait le faire. Ben, tout simplement... Comprenez bien que pour acheter des centaines de paires de bottes pour les bénévoles qui sont à l'œuvre jour et nuit, ou des centaines de chasubles pour les prêtres qui viennent célébrer la messe dans ce beau lieu de pèlerinage, c'est pas avec 5 euros qu'on peut y arriver. Donc soyez gentils d'être très généreux avec le panier des bénévoles qui va maintenant passer parmi vous. Merci. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifiés par sa puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre frère André, archevêque de ce lieu et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous.
dans la charité du Christ, donnez-vous la... Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oh.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques annonces pour ces temps que nous vivons. Vous savez que samedi prochain, grande joie dans le diocèse de Paris, puisque notre archevêque, le cardinal 23, ordonnera 6 nouveaux jeunes prêtres, donc, ici à 9h30. Inutile de vous dire qu'il y a des places prévues dehors et dedans, pour tout le monde. Inutile aussi de vous demander de venir un peu avant l'heure. Pour une fois, ça changera. Prendre vos précautions. Voilà. Quant au temps, comme c'est l'été, il fera certainement très beau. En conséquence, il n'y aura pas de messe, ni à 8h, ni à 9h, ni à midi. Ça va de soi, mais faut-il encore le rappeler. Par ailleurs, les horaires d'été à la cathédrale, puisqu'il faut parler comme cela, vont commencer du lundi 1er juillet pour aller jusqu'au dimanche 1er septembre inclus. Il n'y aura pas de messe de 9h, ni quelques activités qui sont suspendues pendant le temps de l'été. Vous pourrez voir cela sur votre papier. Enfin, je vous invite le mardi 9 juillet à 20h30 à un récital d'orgue à Notre-Dame, donc ici, donné par notre titulaire de l'orgue de chœur que nous avons entendu ce soir, comme toute l'année, Yves Castagnier. Il va monter au grand orgue, mais oui, et nous donnera un récital. Vous pouvez donc prendre des places à l'accueil, comme l'on dit. Et maintenant, je laisse la parole au chanoine médecin G, qui va dire quelques mots au nom des 25 ans de ces prêtres jeunes, puisque 25 ans de sacerdoce, c'est jeune. J'en ai simplement que 10 de plus. Juste pour vous remercier, Éminence, cher Père, de nous avoir accueillis, de nous avoir permis de prier ensemble, de rendre grâce à Dieu pour cet itinéraire que nous avons eu la joie d'accomplir les 25 premières années. Et puis, en ce lieu, comment ne pas évoquer un souvenir qui sera important pour l'Église. Nous avons été ordonnés le samedi 25 juin 1988. Nous étions donc nombreux, la cérémonie avait dépassé l'heure habituelle. Et vers midi un quart, à la fin de la cérémonie, après avoir donné la bénédiction, le cardinal Lustiger, qui nous avait ordonné, a regardé sa montre. Et il a dit, midi est passé, je peux donc vous le dire, le pape Jean-Paul II nomme évêque auxiliaire André 23. Alors c'est donc aussi un peu votre jubilé. Bonne fête avec nous. Tout à l'heure, Monseigneur Jacquin nous a invités à donner quelque chose pour les sanctuaires de Lourdes, mais il va de soi que notre prière et aussi notre soutien accompagnent toutes les personnes sinistrées de cette région dont nous voyons malheureusement tous les jours combien elle a été frappée par les intempéries et que nous pouvons, chacun selon nos moyens, participer aux associations qui vont leur venir en aide pour reconstruire leur vie. Prions encore le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Thank you.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exsules filii Evae, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converti. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostendit.